don't understand. I'ma boss up on the ass. I've been living fast, on it on the dash. Oh shit, hope I don't crash. I've been in the stew going crazy, fucking up a track. I know that my city watching me, I put that on my back. Shawty said that she the one for me, that shit never lasts. I've been through the good and bad times, put it in my past. Yeah, yeah, I put it in my past. I've been going so hard, I'ma win a Grammy. Shawty hitting on my line, she don't understand me. All these boys stealing flow, I might need a plan B. Swear to God. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un entraînement en AVS. J'ai pris la 250 YZ de 1985. J'ai pris également la SXF. J'ai fait une première session ce matin, ça colle un petit peu. Ça va être GP cet après-midi. Du coup, je prendrai la YZ rien que cet après-midi quand ça ira mieux. On va aller voir Ludo qui a roulé également une session. C'est top. Alors, par contre, tu peux nous expliquer comment ça se fait qu'il n'y ait pas le team manager aujourd'hui? Virer, tout simplement. Virer. Quand on est incompétent. Virer pour incompétence, donc ton parc a été viré pour incompétence. Vous cherchez quelqu'un ou pas là? On fait une demande. Ouais, c'est gratuit. Hein. C'est combien là par mois le salaire? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Donc ils cherchent un bénévole qui veuille bien les aider si vous êtes intéressé. Bon, on en fera ensemble après long un petit peu là. En fin d'après-midi, on va faire ensemble. On aura l'honneur d'en faire avec le champion prestige Occitanie d'ailleurs. J'ai oublié de préciser. Donc là, cet après-midi, je mettrai la GoPro. Et ce qu'on pourra faire, c'est que je prendrai les temps avec le Master Ride, avec la KT pour voir, et je mettrai sur la GrecZ. On verra la différence. On verra la différence au chrono. Une moto de 85, donc 36 ans après, et une moto de 2022. Quelle est la différence au chrono? Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste une manière de voir. Donc voilà. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il faudrait pas qu'au chrono j'aille plus vite avec la YZ qu'avec la KT, parce que là, il y aurait un souci. Bon, allez, on va faire une première session de l'après-midi avec la KT. Et après, je prends la YZ. Le two-stroke de l'époque. That's the main plan. They don't ever wanna see me winning. I don't understand. Je viens de faire la première session de l'après-midi avec la KT. Et finalement, je vais attendre un petit peu avant de prendre la YZ. Parce que j'ai déjà du mal avec la mienne. Ça glisse pas mal, à des ornières et tout. Donc je vais éviter d'aller coincer la YZ dans une ornière. On va attendre un petit peu, je ferai des plans en fin d'après-midi avec. Quand ce sera GP comme d'hab. C'est parti avec la YZ. Ça craque. Ah, c'est inconnuisible. Oh,
En plus c'est trop là. Pas évident. Les virages et tout, vraiment ça craque. C'est vraiment pas mal, hein. On va voir les temps manière, mais bon allez, je reprends la 4 une dernière session pour la différence en temps avec la YZ manière. Ça y est, j'ai fait les deux sessions avec la YZ et franchement bon, suspension c'est vraiment souple, donc j'ai pas trop sauté, mais le moteur ça marche, hein. Vraiment ça marche, hein. Je me suis amusé, c'est vraiment pas mal, ça c'est fun à piloter, et j'ai pris les temps manière, on verra, et j'ai refait une dernière session avec la KT pour la différence en temps, mais c'est vrai que comme je disais là avant GoPro, après avoir pris la YZ, quand je reprends la KT, j'ai l'impression d'avoir vraiment une moto factory, hein, parce que... Donc voilà, je vous reprends à la maison pour annoncer les temps, en sachant qu'avec la YZ, j'ai pas pu tout sauter. Merci les suspensions d'origine réglées en mode canapé. Avant que j'annonce les temps, là, mettez pause et marquez-moi en commentaire la différence que vous pensez qu'il y a entre la YZ et la SXF. Le temps, j'ouvre l'application Masterize. Donc la session avec la YZ, meilleur temps en 2.10. Et la session avec la SXF, le meilleur temps en 2.15. De quoi ? Ah non, 2.02. Meilleur temps 2.02, donc 8 secondes au chrono, 37 ans d'écart d'âge pour 8 secondes au chrono, en vrai ça va, je pensais qu'il y aurait plus d'écart que ça, donc sur cette révélation fracassante, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt, allez, ciao.